Il y a des bons petits jeux quand même, PS2. Shrek 2. Shrek 2. 5 euros quand même. Allez, on se dark. Il y a pas mal. Pas mal des jeux Xbox. Magnifique cette télé. 100 euros. Télé Disney. Marrant cette télé. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon retour de vide-grenier. Alors, c'est un vide-grenier permanent que j'ai fait à Royan, donc ça fait des lustres qu'il existe, cette espèce de brocante débarras, ressourcerie. Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais sur la pancarte, il y a bien marqué brocante dessus. Donc, ce n'est pas un titre putaclic. Alors, j'espère que le petit live en début de vidéo vous aura plu. Je vous ai fait voir un petit peu cette fameuse télé Disney à 100 euros. Mais aussi les jeux PS2, bon, il y en avait quelques-uns, c'était sympathique, mais il n'y avait rien de ouf. En plus, moi, je n'ai pas la PS2, donc je prends quelques jeux PS2 en vide-grenier, mais seulement si ça coûte 1 ou 2 euros. Là, ils étaient à 5 euros pièce, ce n'était pas intéressant pour moi, parce que j'ai pas la PS2, j'ai pas la priorité d'acheter ce genre de jeu de cette console. Sinon, il y avait quelques petits démos de Xbox 360, donc je vous en ai montré quand même pas mal. Il y avait des petits jeux PSP et DS, mais c'était pas folichon non plus. Donc dans cette brocante, je n'ai pas trouvé de jeux vidéo malheureusement, mais je me suis procuré le petit Mary Poppins Disney pour les 45 ans, pour les anniversaires 45 ans de Disney. Donc c'était sûrement pour ça qu'ils ont fait cette édition en DVD. Donc Mary Poppins, malheureusement, c'est un film que je n'ai jamais vu. Alors il y a les bonus et puis il y a le film quoi. Petit film en plus pour 1 euro. Moi je trouve que pour un Disney, je trouve que c'est quand même relativement correct. Alors vous inquiétez pas, il y aura le vide-grenier, mais il y aura aussi les autres achats que j'ai fait. Et j'espère que le petit live que je vous ai fait en début vous aura plu. C'est vrai que c'est un exercice que j'ai pas trop l'habitude de faire. Mais je vais en faire de plus en plus, de vous filmer un petit peu les magasins, les vide-greniers, les grandes surfaces, enfin les caches, enfin, et j'en passe. Ensuite, je me suis pris aussi à ce vide-grenier permanent, la légende de Despero. Un petit film aussi à 1€ le Blu-ray, donc 1€ le Blu-ray, c'est limite. Il y a des trucs qui sont moins chers que dans les vide-greniers classiques. J'ai l'impression que niveau des cotations, les jeux vidéo, les DVD, les Blu-ray, ils regardent pas trop. Ils font un petit peu au feeling, quoi. Ils mettent des prix un petit peu, voilà, c'est à la tête du client et un peu à la tête du jeu vidéo, quoi. Les jeux PS2, c'est 5 euros, c'est 5 euros pour tous les titres. Vous pouvez très bien trouver un Rule of Rose à 5 euros. Ça, c'est pas impossible hein, dans ce genre de magasin. Parce que vu tout ce qui rentre chaque jour, c'est immense. Quand je vous dis que c'est immense, ça fait peut-être un hectare, quoi. Un hectare de magasin, c'est juste énorme. Avec l'extérieur, l'intérieur et tout, ils n'ont pas le temps de regarder tout sur Internet. Donc, ils se fixent des prix. Tous les jeux PS2, c'est 5 euros. Tous les jeux Xbox 300, ça va être 4 euros. Enfin, vraiment, ils se prennent pas trop la tête sur les cotations. Alors, bah malheureusement, j'ai trouvé que ça pour ce vide-grenier. Mais au moins, vous aurez les images de mon petit live que j'ai fait dans ce vide-grenier permanent. Je poursuis avec Nose. Bon, Nose, c'est un classique en ce moment dans le brocante game. Tout le monde fait voir les produits de chez Nose. Bah, c'est vrai que c'est un peu le vide-grenier permanent avec beaucoup d'objets geeks, quoi. Sauf que c'est un magasin, quoi. Ils débarrassent les magasins en faillite et tout. Au moins, ça permet aux objets de pas finir à la benne. Ça donne une seconde vie aux objets, je trouve ça très bien. Je me suis pris le petit Transformer. Le petit
Transformers, l'âge de l'extinction, en Blu-ray 3D, Blu-ray et Blu-ray bonus plus DVD, pour 2,99€. Donc prix très correct. Alors j'ai vu les deux premiers, le premier j'ai adoré, le deuxième j'ai bien aimé parce que ça reste la même équipe. Le troisième ça change un petit peu d'équipe. Megan Fox, j'ai que ça à dire, Megan Fox. En plus c'est vachement bien fait. Le troisième opus, je trouve que ça commence à devenir un peu poussif. Et ce 4, bah, je l'ai pas vu. Peut-être que ça remonte un petit peu le niveau, je ne sais pas. J'ai pris aussi pour 1€, alors c'était 2,99€, là pour 1,99€, Sex Tape, avec Cameron Diaz et Jason Segel. Ils ont des espèces de noms, les Américains, des fois. Alors, c'est un petit film, une petite comédie romantique, très sympathique, quoi. Vraiment très sympa. Donc, je vais faire une petite pause achat DVD Blu-ray pour vous présenter la dernière Funko Pop que j'ai fait sur Popina Box. Oui, je crois que c'est Popina Box, si je dis pas de conneries. Je l'ai eu pour 17,95€ plus 4,99€ de frais de port, il me semble. Je me suis pris, moi qui est fan de My Hero Academia, je me suis pris Moon Lady en spéciale édition. Alors moi quand j'ai ouvert le colis, quoi, la box, quoi, enfin le carton, moi je m'attendais à avoir une petite pop, quoi, une petite pop basique. Voilà, les grandes comme ça, vous savez, les... Bah en fait, j'ai eu la version au-dessus, quoi. La version au-dessus des Funko Pop. J'étais étonné quand j'ai vu la taille. Donc vous avez tout ça, là, vous avez... Elle, je crois que je l'ai, lui aussi. Elle est ma... Vous savez, c'est celle-là, c'est la jury dans les... quand ils font les concours et tout. C'est elle qui s'agrandit et tout, là. Ah, c'est elle. Donc elle est vraiment mais magnifique, quoi. Joli popo, joli stéter, joli heure, joli postérieur. Avec les cornes et tout, elle est super bien faite. Bah là j'ai vu les trois premières saisons, je dis pas de conneries. Hein. Oui c'est ça. Et là j'attends la saison 3, 4 avec impatience. Je suis pressé de voir la saison 4. Enfin je crois que c'est la saison... Oh je sais plus, je suis un peu perdu dans les... Il y avait le 1, la saison 2... Non, c'est la saison 2, hein, le... Bon, je sais plus. Je sais plus quelle saison j'en suis. Mais en tout cas, j'ai vu toutes les saisons sauf les versions en VOSTF, quoi. Donc, magnifique pop, quoi, franchement, pour le prix. Elle commence déjà à bien coter. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur mes 10 pop qui cotent le plus cher. Je le ferai. Je l'ai un petit peu peaufiné, là. Il va falloir que je l'enregistre. Je poursuis avec des petits achats. Vous savez, les Kinder Enjoy. Alors, j'ai eu un petit Luigi. Un espèce de petit fantôme, une espèce de bracelet. Bon, c'est des trucs un peu pour les gamins, mais bon. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'aime bien le petit... Moi, je voudrais bien avoir tous les Enjoy. Vous savez, la petite tortue, la Yoshi. Bon, j'ai déjà Luigi. J'aimerais bien avoir Super Mario. Yoshi, j'aimerais bien avoir tous les personnages. La princesse aussi. Je crois qu'elle y est aussi, mais j'en suis pas sûr. Et là, j'étais allé à la Forfouille. Et avec un sachet de chamallow, j'ai eu... Le petit mug Haribo, quoi. Il est vraiment beau. J'ai eu ça pour 1€, je crois, le paquet plus le petit paquet de bonbons chamallow plus le petit mug. Très sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Je me suis pris le dernier magazine film. Alors, si vous aimez le cinéma, je vous le recommande. Parce qu'à chaque fois, en plus, il y a 8 posters, il y a des articles, des previews très intéressants. Alors là, aujourd'hui, il y avait en poster, il y avait Robocop, le nouveau... Bob l'éponge, Friggy. Alors Friggy, celui-là, je l'attends, le espèce de RPG qui sait pas que c'est un RPG et tout. J'ai vu la bande-annonce, c'est juste phénoménal, c'est juste oufissime la bande-annonce. SOS Fantôme. Alors est-ce que c'est le SOS Fantôme avec les nanas? Je sais pas. Black Widow, pourquoi pas, à voir. Wonder Woman 84, bah, c'est ce qu'on voit sur la couverture. Jungle Cruise avec Dwayne Johnson. Pourquoi Jonathan? Qu'est-ce que je raconte? Alors, j'ai vu la bande-annonce, franchement, il est reporté à 2021, je suis dégoûté de la life. Et celui-là, bah, c'est un... Les deux, là, ils ont fait plein de films dans les années 90-2000. Mais je ne me rappelle plus des titres. Je sais qu'il y en a un que j'ai aimé, il y en a un que j'ai pas aimé. Bon, comme ça, au moins, ça équilibre la balance. Et bah, je vais vous... Bon, ça tient pas, ça. Hop. Alors, je vais vous présenter un petit peu les jeux PS4, les dernières acquisitions PS4 que j'ai trouvées. Alors, je vais remercier le vidéaste youtubeur Didino Walker,
Grâce à lui, j'ai gagné sur un concours qu'il a fait, un super concours. Et allez voir sa vidéo quand il déboxe sa PlayStation 4 Pro The Last of Us Partie 2. Et il a fait un concours parce qu'il avait... Bah, enfin, vous verrez sa vidéo, pourquoi il a fait ce concours-là. Et j'ai gagné grâce à son concours The Last of Us Partie 2. Merci bien Dylan Walker pour ce magnifique... Bah, c'est un concours, mais ça reste un cadeau quand même. Je l'ai gagné, mais c'est quand même un cadeau, je suis désolé. T'offres quelque chose à quelqu'un, même par un concours, c'est un cadeau. Donc là, vous avez vraiment le... Voilà, il est sorti le 10 juin et je l'ai déjà en mon possession. En plus, ne peut être vendu séparément, ça fait une petite touche en plus. J'ai pas l'original. J'ai celui-là, il est encore plus rare, donc je suis encore plus content. Et je vais le garder précieusement. Déjà que j'ai hésité à le déblister, me dis je... C'est un cadeau, c'est Didino Walker qui me l'a donné. Au début, j'ai pas osé enlever le blister. Après, je me suis dit, bon, va bien falloir que j'y joue un jour ou l'autre. Et je suis très content d'avoir ce jeu. Bon, par contre, il est en 2 CD. Hein. À pas confondre avec ACDC, ça n'a rien à voir. Merci bien Didino Walker, et je mettrai le lien dans la description. Et je pense que je mettrai même une petite image là. C'est totalement normal. Je poursuis avec, alors, il y a un vidéaste dont je peux pas citer son nom parce qu'il aime pas trop ça. Il fait pas mal de vidéos sur ce jeu, c'est Horizon Chase Turbo. Il m'a donné envie de jouer à ce jeu, il m'a donné envie de l'acheter. Même si lui, il l'a en dématérialisé. Bon, c'est pas grave. Franchement, tes vidéos sur le jeu, c'est vraiment génial. Bon, des fois, je zappe un peu de regarder, mais bon. Donc, je n'ai pas le droit de lui faire de la publicité parce qu'il aime pas trop ça. Mais merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, excellent. Et en plus, je crois que c'est une version, je sais pas, je crois que c'est une version anglaise, mais je crois qu'il y a la VF dedans. Donc Horizon Chase Turbo, ça reprend un petit peu les jeux rétro de l'époque, quoi, l'époque de la SNES et de la Mega Drive. Je suis dans le vrai, oui, c'est ça. Et à l'intérieur, il y a une petite carte du jeu. Bon, ils auraient pu en mettre deux ou trois, j'avoue qu'une, c'est un petit peu racle, quoi, un petit peu radin, quoi. Et il y a le poster recto verso. Alors, je vais l'ouvrir délicatement. Bon, je veux pas cutter, hein. Vous savez très bien que j'aime pas les cuts, moi. Donc là, il y a toutes les bagnoles. Il y a toutes les bagnoles du jeu. Bon, je pense pas qu'il y a les bagnoles cachées, hein. Et là, il y a le poster, une petite affiche du jeu vidéo. Bon, je vais pas l'ouvrir complètement parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme au niveau de la fente, là. Voilà le petit jeu. Alors, le The Last of Us, ça a été offert dans un concours. Merci bien, Didi Nou Walker. D'ailleurs, tu me diras dans les commentaires d'où ça vient ton pseudo, parce que je me rappelle plus. T'as dû le dire en live, mais je me souviens plus. Et j'ai acheté ce petit jeu sur Shop 4 pour, je crois, 24-25€ frais de port. Je crois, j'ai plus le prix en tête. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir fait voir plus de jeux que ça. Bon, vous aurez un petit live avec des jeux que je vous ai présentés dans mon petit live, plus deux petits jeux PS4. Le petit Luigi, donc il y a quand même un petit lien avec ma chaîne quand même, il y a du jeu vidéo quand même, il y en a pas beaucoup. Mais aussi, il y a du film, il y a du Funko Pop, donc ça respecte un petit peu le cheminement de ma chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors oui, aujourd'hui j'ai filmé avec mon Xiaomi Mi 8 Pro, que je me suis acheté il y a quelques mois. On verra bien si la différence de température, de qualité est significative ou pas. Passez une bonne journée. Allez à la plage si vous avez l'occasion d'aller à la plage. Profitez de ces beaux jours. Attention au Covid parce qu'il est quand même pas encore disparu. Mais bon, faut pas non plus tomber dans la paranoïa, comme dirait Jules. Allez, ciao. Moi, je vais aller faire des crêpes, ciao. Et bye bye. Des crêpes, n'importe quoi, moi.